Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel. Donc, je sais que ces vidéos tutoriels, ça date à un moment où tout le monde commence à comprendre comment ça fonctionne. Et je me suis dit, la nouvelle version de Minecraft est sortie. Donc, il y a des personnes qui achètent Minecraft ou qui connaissent Minecraft dans cette version-là et qui voudront bien jouer avec des mods. Donc, ce tutoriel, ça va être comment installer un mod en 1.10.2. Donc c'est parti, donc on va vous se munir de deux choses, donc forge et de mode. Donc forge en 1.10.2, bien sûr, les liens seront dans la description. Donc ce lien dans le coup, comment le télécharger, vous cliquez ici, vous cliquez dans la version que vous voulez, d'accord? Vous faites show all, donc là vous avez toutes les versions de la vers toutes les versions de forge dans la version de Minecraft que vous avez sélectionné. Donc je vous conseille de prendre avec l'étoile car c'est celle qui marche le mieux. Voilà, ça c'est moitié moitié, c'est pas très, c'est en cours de développement donc ça peut bugger. Donc vous cliquez ici, voilà, ou ici, mais personnellement c'est cliqué, j'ai cliqué là, donc vous cliquez là. Il vous faut un mode, n'importe lequel, du coup je vous mettrai ce lien aussi dans la description. Vous avez tous les modes que vous voulez, je crois que vous avez juste à changer, choisir la version, voilà. Sur Internet, vous marquez mode Minecraft, un point, toutes les versions que vous voulez. Donc c'est parti. Déjà, il vous faut un Minecraft, pas vierge, mais un Minecraft, n'importe lequel, craqué et premium. N'importe lequel, ça peut marcher tant que vous pouvez installer des choses dessus. Alors, pour créer un, par exemple, installer Forge, déjà il vous faut par exemple, si vous voulez Forge en 1.10.2, il vous faut créer un profil 1.10.2. Donc comment faire, vous faites new profil, vous sélectionnez 1.10.2, vous créez le nom et vous lancez le jeu, d'accord? Vous le lancez. Quand vous l'avez lancé, quand vous avez joué single player, multijoueur, machin truc, vous quittez le jeu et en fait ça va générer le dossier en fait, tout simplement. Donc moi j'ai supprimé mon point Minecraft, je l'ai relancé, du coup il est vierge, mon Minecraft est vierge, donc il n'y a rien dessus, il n'y a plus rien, il y a... Donc déjà tout d'abord vous devez afficher le point Minecraft. Normalement tout le monde le sait le faire, comment l'afficher? Vous pouvez voir qu'il n'y a rien du tout, il est vide, aucune save, rien du tout. Donc c'est parti. Donc save ressources, ok. Donc, tout d'abord, on peut fermer ça. On fait double clic sur le forge que vous avez téléchargé. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc, là, vous avez deux. Comment dire? Vous avez trois choix. Vérifiez bien que le lien qui est en dessous, c'est bien le lien de votre point Minecraft. Si vous l'avez mis autre part, vous faites là et vous le cherchez et vous mettez là. Obligatoirement d'avoir le même, avoir le point Minecraft, la ligne d'accès au point Minecraft. Donc, nous avons deux choix principaux, je veux dire. L'install serveur, donc là vous devrez sélectionner le dossier de votre serveur. Et là, le client. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le client. Vous faites OK. Donc là, vous attendez que Forge s'installe en fait sur votre point Minecraft. On peut voir qu'ici, il n'y a pas vraiment de modification, de modif. Pour la simple raison, sauf qu'ici, voilà, il y a un nouveau dossier qui s'est chargé. Hop, je lis, plus rien. Donc là, on attend. On attend. Donc je vais vous parler d'autre chose aussi. Je vais plutôt me personnaliser sur. Il y aura peut-être une nouvelle vidéo sur soit Primo Architect qui est ici, soit sur la présentation du mode Pixel Mode, donc que je suis en train d'installer avec vous aujourd'hui. Et voilà, donc je ferai des vidéos comme ça, plutôt sur Minecraft. Donc là, ils disent que le Forge est bien installé, donc vous faites OK. Vous retournez sur votre Minecraft. Vous le relancez. Et là, vous allez changer votre profil. Donc là, vous le voir qu'il y a un deuxième forge. Il y a un profil forge qui essaie de créer.
Cliquez dessus, vous vérifiez bien que c'est bien marqué 1.10 avec le nom de version et force à côté. Vous faites play. Donc là, il va se lancer. Donc entre-temps, en fait, il va générer le dossier comment dire, le dossier mode. Il va le générer. Une ligne qui sera lancée. Donc, je vous annonce aussi, il y aura aussi bientôt une vidéo présentation d'un serveur Pixelmon, donc Zephyr et Memo. Donc, je ferai une vidéo de présentation de ce serveur-là. Mais voilà. Donc là, le jeu se lance. Donc, dès que Forge est installé, qui est bien installé, vous avez cette enclume et un marteau qui bouge en fait. Et là, ça marque bien, login, machin. Il faut dire que c'est la façon de montrer que Forge bien installé dessus. Après, nous avons une autre manière de savoir si l'autre manière qui vous fait dès le lancement du jeu. Donc c'est parti. Donc déjà, quand Forge est installé, vous avez plein de trucs sur votre écran, plein de trucs. Vous avez déjà trois modes et trois modes activés. Donc ça veut dire que Forge s'est bien lancé. Donc là, on a bien Forge mode ladder et tout ça. Donc, excusez-moi. Du coup, nous avons bien les deux. Tous les modes. Donc, à ce moment-là, vous pouvez fermer le jeu. Vous fermez le jeu. Et là, vous retournez. Donc, pour les personnes qui ne le laissent pas, vous avez le menu éditeur. Oh, excusez-moi, j'éternue. Du coup, là, on peut le voir qu'il y a votre point de... Vous êtes retourné dans votre point de Minecraft. Hop, j'en supprime un. Hop. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un dossier mode qui s'est installé. Il n'y a rien dedans. Basique, c'est normal. Donc, vous allez dedans. Dans le dossier mode. Et vous installez tout simplement le dossier mode dedans. Tout simplement. Vous relancez votre Minecraft. Donc, quand vous installez Forge, vous allez peut-être le lancer plusieurs fois. Le mode, hein. Le Minecraft, hein. Moi, déjà, je vais faire un truc comme si. Ici, je vais mettre quand même 3. C'est pour me permettre en fait de bien faire tourner le jeu. J'ai 8 Go donc je peux me le permettre. Vous, je pouvais, ça dépend de votre ordinateur aussi, mais moi je tourne avec 3 Go correctement. Allez, on se dépêche. Donc là, ils disent bien que c'est en train d'installer Pixelmon sur mon jeu, sur mon jeu. Donc aussi, merci pour les 48 abonnés, c'est vraiment super. Je suis monté d'un coup en fait, dis-moi, je suis monté vraiment d'un coup et je suis bientôt 50 abonnés, donc je suis pas mal, je suis content. Plus que 2 abonnés et je suis à 50. Donc là, on est bien sûr sur mon jeu, mais vous pouvez voir qu'il y a 4 modes. Tout à l'heure on était à 3, mais si on voit, il y a le mode Pixelmon. Donc là, on va le lancer. Pour vous prouver que le jeu s'est bien lancé avec le mode et c'est pas un truc graphique. Donc là, on crée. Donc ça fait 8 minutes qu'on tourne, que je tourne. Donc si vous voulez d'autres vidéos tutoriels, dites-les moi en commentaire. Mettez bien sûr un petit like. Un like pour si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me donnera encore plus envie de continuer mes vidéos. Donc vous pouvez voir que déjà, là, j'ai mon jeu. Qui a lancé le mode. Donc, vous pouvez voir que nous avons bien les pixels des Pokémon, bon, du bizarre. Et là, nous avons toutes les nouvelles versions de Pixelmon. Bien sûr, en 1.7.10, vous pouvez voir qu'en créatif, on a bien sûr les modes, les objets de 1.7.10, de la .10, excusez-moi. Je connais pas. Je connais pas, je découvre aussi l'1.10, hein. Je l'ai jamais utilisé en fait. Et là, nous avons bien les modes du mode Pixelmon qui a été vraiment amélioré. Parce que moi, j'ai connu, je tourne en 1.7.10 et il y a clairement, c'est vachement intéressant. Ils ont vachement bien fait. Ok. Donc, voilà. Donc de toute façon, vous aurez une vidéo sur ce mode de jeu, sur ce mode. Voilà, vous aurez tout, tout ça, vous l'aurez bien sûr en vidéo.
Donc, vous pouvez voir comment on les Pokéballs, mais tout ça, je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.